parce que la caméra était pour moi. Et après, je l'ai vu, il a pu m'appeler. Il l'a vu sur l'écran, donc c'était assez émouvant. La connexion n'était pas terrible, mais il va bien. Est-ce qu'on peut vous demander ce qu'il vous a dit? Oui, tout à fait. On a dit beaucoup, toi, tu m'entends, je t'entends pas. Et puis après, il m'a dit que ça allait. Je trouvais qu'il parlait bizarrement. Il m'a dit non, c'est juste qu'il y a trop de monde autour de moi. Et bon, ça, c'est qu'on a pu raccrocher assez vite parce que le signal n'était pas très bon, mais il se sent bien, tout va bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler avant qu'il parte hier soir, par exemple? Comment il se sent maintenant à l'idée de redescendre? Alors, je lui ai parlé hier soir, je lui ai même parlé ce matin. Il m'a appelé à 8h juste avant que les phases de fermeture du SAS commencent. Il était content de rentrer, il était ému après la cérémonie de passage hier, quand il était très ému, donc c'était un peu difficile, mais il était très excité de rentrer et je pense que maintenant c'est encore il sent bien. Est-ce que vous avez prévu ces prochains jours, prochaines semaines? Est-ce que vous avez déjà un planning pour la vie ou des examens qui vous passent? Alors on a un planning, malheureusement c'est pas moi qui en suis responsable, on a un planning de 3 semaines ici à Cologne. Pour,